Une émission de réaliser sous télévision nationale d'Haïti avec l'économiste Eddy Aremye. Il était clair que si nous avons besoin de créer richesse, il faut nous encourager, pitié à quoi une entreprise. C'est intéressant pour nous encadrer. Nous qui ont l'idée, nous qui avons fait business, nous qui avons développé business, nous qui avons créé job dans le pays. Et là, matin, on pourrait regarder avec le responsable IBA en plateforme qui veut aller dans ce sens-là, qui était établi en Chine, qui voulait croire l'établi en Haïti, la question sur quoi présence, sur capable de faire une différence en un pays. Et c'est le fondateur Ima groupe là, avec nous en studio, Marcus Bureau. Et c'est avec lui, nous prenons le festival Boussa, on a mis au point aujourd'hui. Monsieur Bureau, son plaisir, vous nous recevoir matin. Merci, Ampil et Serge Ndolindo, et son plaisir pour moi, tout pour moi, et m'a suivi longtemps. Et je dis à merci de ce que vous m'avez ça pour moi partager avec tout le monde qui est IMA Business Group. Parfait. Avant d'entrer dans IMA, présentez vous qui est-ce. Bon, qui est-ce, moi, Marcus Bouéo, et moi, son ancien Saint-Louis Gonzague, et de la 12e à la philo, et on aussi boursier de République d'Haïti, côté moi, gain en bourse pour me faire licence moi à Taïwan, et maîtrise moi en République de Chine. C'est ça qui fait moi, gain bientôt 8 ans depuis moi, établi en Asie. Et là, je dis, je suis content pour mon pays et pour me parler exactement de toute activité que peut-être que je fais en Asie et nouvelle création qui c'est IMA. Mais qui est dans quelle discipline Commerce international. Commerce international, et ça fait, bon voilà, je fais une licence pour la donne et je fais une maîtrise la donne avec un mineur en finance. Mais comment tu fais pour vous ça? Et c'est. Moi, c'est une sortie d'un journal pour me dire, parce que moi, c'est la première promotion en 2008, ça fait bientôt 10 ans, qui était un concours que l'ambassade de Taïwan a lancé, okay? Et que moi, j'ai eu dans le journal et que j'ai répondu à critérios, ensuite, j'ai participé, et heureusement, j'ai parmi 8 personnes qui étaient choisies pour aller à Taïwan. C'est comme ça que toute aventure a commencé en Asie. Parfois, voilà. Là, maintenant, on arrive en Asie, et très loin du pays où Haïti. Ah, très loin. Comment l'intégration difficile. Et pour qui ça difficile? Parce que c'est vraiment bon. Tu as 18-19 ans, ça peut rentrer dans 19 ans. Et côté, tout ça, c'est de bail ou pas même imaginer qui possible. Pour jouer en langue aussi difficile, on mange qu'on pas qu'à manger. C'est comme ça que je vous dis. Et en culture, en adaptation, parce que chinois lui-même, asiatique là lui-même, est différent de nous. Ok, de par exemple le genre que nous respectons, de paquet bagage qui vient faire que ou même qui sorti loin qu'on pas habitué l'important. Moi, j'ai toujours dit l'important au moins 6 mois pour me sentir que 2 pays Taïwan au début. Et qui ça a été fait pour te arriver faire une place? Et chinois, et asiatique. Et au début, vraiment intéressant question ça, parce que moi, comme c'est après 2 ans, côté première année à m'apprendre chinois, c'est ça condition de boursier, ou apprendre chinois full time, de 8h à 4h chinois. Ensuite, dans la deuxième année, et moi, Taïwan, première année université, j'ai participé dans un concours de chant. Ok, côté qui c'est type American Idol, et par contre, tu as parlé de Jean de Kokusayo. Côté que moi-même, moi, j'ai fini 5e finaliste, j'étais pas premier étranger qui est arrivé dans 10 finalistes dans le genre de concours national. Ça, c'est vraiment ça qui te mettait sous les projecteurs. Et à partir de chanter, moi, je viens jouer tout, moi, je fais des séries de télévision, moi, je fais moi, fais le Broadway, côté théâtre. Et pendant 3 mois à jouer et pour un public chinois. Mais en Asie, c'est quoi? Toute expérience en Asie faite en mandarin. Oui. Ouais. Okay. C'est exactement comme ça que toute pour moi l'aventure a commencé avec un concours que je suis allé et participer dans l'été. Ensuite, que moi arrivé et craser les barrières parce que son concours qui n'est pas plus de 20 ans depuis l'exister et que moi-même d'arriver premier, pas premier noir seulement, mais premier étranger qui est venu dans 10 finalistes. Et ça a vraiment ouvert l'autre porte pour moi et en Asie. L'arrivée, ça finit à penser de Haïti. L'on parle avec vous. Et pour nous dire bien. C'est soit ou pas qu'on a rien du tout, ok, c'est soit pas qu'on Haïti qui côté Haïti et Tahiti pas qu'on du tout, ou bien ça qu'on est vraiment c'est une mauvaise perception et pour son pays pauvre que peut-être nous toujours demander et qui choye et que voilà insécurité. Et pour moi-même, pour me
river l'autre bois pour des vendre un bagage différent d'Haïti pour dire waouh et que oh à pas haïtien intelligent à pas haïtien qui apprend chinois vite à pas haïtien et c'est comme ça nous y a pas de connecte et pour même chance que me gagne chaque fois mal en télévision et on émission télévision l'autre bois moi toujours pas pour montrer on meilleure image du pays montrer qui ça qui peut-être va bailler dans et journal international yo mais que gon face caché d'Haïti qui c'est l'intelligence qui haïtien très débrouillard nous remet travail nous bon c'est vendre image ça que peut-être nous penser que et à chaque fois que m'a continue faire d'ailleurs jusqu'à présent ou pas sur les étudiants haïtiens te bénéficier de ça comment vous platayer par rapport à vous même eh bien vous faites parler le là et 0000 c'est des promotions côté et noté nous 8 et 0 c'est mon frère noté vraiment au début des monde qui pas comme des gars dit connaît comment aventurer ta balle pour Taïwan parce que son risque le ou bien 18 ans 19 ans ou dit pour Taïwan mais faut me dire que nous était très supporté et même gens que moi même supporté dire c'est vraiment un groupe solide côté chaque monde qui a vendre tête aux gens pour gens capable et avec potentialité parle moi même moi me dit me commencer dans musique comme dans aspect business mais ils sont économistes nous gain Rose Camille qui qu'on l'autre qui fait PhD et doctoral en Hollande, chaque monde fait bout de chemin par eux avec potentialité par eux et me dit son promotion pour me fier de lui parce que nous avons porte pour l'autre haïtien, l'autre jeune capitaliste qui dit oh, parce que c'est une nouvelle donnée. Nous parlons États-Unis, nous parlons Cuba, nous parlons à côté à là, mais nous allons loin en Asie, mais nous arrivons à un résultat. C'est ça qui est intéressant. Parfait. Parce qu'on peut faire des jeunes qui quittent le pays et puis arriver, au lieu pour étudier, ou faire de l'autre choix. Oui. Et finalement, même le gouvernement qu'on a accueilli, qu'on a demandé pour retourner la caille. Qu'on a demandé pour retourner la caille. Et ça pas trivé dans le gouvernement. Heureusement pour nous, ça pas trivé. Et il y a une chose qui est intéressante à Taïwan, c'est que y a encouragé pour étudier. Nous sommes le premier semestre que je suis arrivé dans commencer l'université. Et premier semestre, en premier. Ensuite, après, je suis arrivé une prime de 10 000 yuan, qui c'est $300 américains pour un étudiant, son paquet de l'argent. Vous comprenez? Et puis, je me dis, oh, et même, je vais le payer premier. Pour un exemple, là, qui vient faire que, il est encouragé. Et pour même l'arrivée là, on dit, waouh! Ou une obligation par rapport à vous-même personnel ou obligation par rapport à famille ou qu'on va aller loin et par rapport à pays ou tout parce que le tableau d'honneur a sorti il dit Marcus Bouéo ensuite c'est Haïti qui est qui sont encouragés. Regarde l'expérience que vous faites à qui c'est ce quoi expérience à ta carrière ou une belle à la carrière une fait la carrière sorti côté l'hier. Ah ben oui carrément moi je pense que mon amour extraordinaire mon amour vraiment grand pour Haïti et moi dis que moi connais ma haïtien vraiment c'est le al Taïwan parce que on dit dans concours chant mon relem Haïti mal la télévision c'est Haïti mon nous connaît que gon jeune haïtien qui vient faire que ou vient gon sentiment de fierté que c'est son yé nous c'est Haïti et kounya moi même comment que m'a vendre tête mon l'autre bois comment m'ka aider Haïti que toute perception gain de l'IA comment m'ka aider pays ça vinn mieux. Et c'est dans l'optique ça que moi-même, soit avec compagnie PAM, ou bien l'homme défini études de Taïwan, que m'était tourné à Haïti, détourné à Haïti pendant 3 ans, et m'était directeur de facilitation dans CFI, côté de travail d'administration publique, aider entreprises et météo sous pied. Pour moi-même, c'est ça. C'est comment, c'est toujours dans la tête, moi, comment m'a aider la communauté en retour par rapport à moi-même qui est un jeune qui bénéficie d'Haïti, parce que je suis en bourse d'études et m'a continué toujours avec tout l'autre projet que m'a fait. On va continuer, on va parler de ça et Marcus Bouéo, mais au fait, Taïwan n'est pas commencé trop longtemps. La route que Taïwan prend, je veux dire, que ces pays s'allient, la CAIDE, une la CAIDE, une prend bête, il va commencer longtemps, dans les années 90, là, nous-mêmes, nous avons choisi de faire l'autre bagaille, nous-mêmes. Regardez l'expérience Taïwan, regardez aujourd'hui, qui sont qu'on a tiré comme leçon de ça Taïwan est arrivé à faire pays aujourd'hui, qui c'est modèle ça, qui a aidé, qui a bâillé bourrade et qui a bonne bourrade en pile. Moi, je pense que Taïwan, c'est vraiment son exemple pour nous suivre parce que 50 ans de ça, 70 ans de ça, Taïwan, c'est vraiment un pays qui peut être Taïwan aujourd'hui. Parce que même niveau avec nous. Notre même niveau. Et 1950, c'est vraiment côté Taïwan commencer chaîne de développement. Moi, je pense que premier bagage là c'est vision ou regarder côté Taïwan et à l'époque il dit bon moi voulais venir tel pays ok moi voulais venir tel pays et vision bon paquet de bagages qui viennent là et discipline ok gain tête ensemble parce que parti ça c'est que nous pour arriver là ok parce que tout autant on peut penser pour t'a des monde qui pensent pour pays
pour prendre un intérêt personnel, mettre la côté pour dire bon, je travaille pour Haïti, then ou pour atteindre l'objectif ça. Et on regarde Taïwanéa, c'est un petit sacrifice ça le fait. Côté que voilà, il était gain des pressions pour dire comment ça passe, nous prenons le travail ensemble et au grand pile pression politique parce que vous connaissez l'histoire que Taïwan, province rebelle de la Chine, de, sur le plan et politique international, qui vient faire que vous dites comment ça passe, moi-même je prends le travail. Même si, bon, ou pas ou capable de reconnaître, parce que les pays ne reconnaissent pas, mais comment nous avons développé, et pour nous, un bagage qui est très important, c'est l'éducation. Ok, qu'on a regardé que Taïwanéa et s'il sortit à l'étude à l'étranger, mais il tournait au Taïwan pour venir partager expérience avec Mounio, pour venir créer des jobs et c'est là, on pense toute partie ça. Nous-mêmes, c'est pas par exemple l'on cerveau aller, nous quand pile monde on fuit des cerveaux et pourcentage extraordinaire, c'est là Mounio aller peut-être pour dire au contact passé qui ça me cabaye à Haïti de retour. C'est Taïwan son modèle à suivre. Ok, par rapport à Jean, il a commencé par rapport à Jean Likounia et on a regardé tout et c'est vraiment une croissance économique et extraordinaire. Mais qui ça peut être Taïwan a gagné en plus nous? Qui fait que je veux faire ça dans le nouveau café Manoir? Ah, discipline. C'est discipline très important. Ok, c'est des mondes par exemple et moi-même le rive l'autre bois c'est où on a bien comme apprendre. Ok, Taïwan a de 8 heures. Ok, et l'un fait crive en anecdote, nous t'es qu'on a fait et de résidence nous, il était dit bus l'a déplacé à 8h03. Nous arrivons à 8h05, bus a déjà allé. Nous avons dit bus ça. Ok? C'est pour nous dire comment Mounio. C'est comme ça. Qui vient faire que tout système, dans Taïwan, ou pas besoin de bon support publicitaire pour dire pas jeter pas dans la rue. Il connaît que le pape jeter parce que il n'est pas bon pour la communauté. Ya. Ok? Et l'air que la respirer n'est pas bon pour lui. Qui vient faire que bon conscience. Et de population qui dit bon, m'a supporté un gouvernement, quitte les Gomindang, quitte les Dimindang, c'est Taïwan. C'est pas un parti politique, mais c'est pour le bien de Taïwan. Discipline, vision, on te parle de lui. Et je pense que l'autre aspect que je te remarque l'autre bois qui était très intéressant, l'homme t'a étudié, m'a regardé par exemple un directeur de centre de langue côté NTIA, l'heure après-midi, 6h de l'après-midi, il a jeté Fatra. Ok, c'est pas un pays qui a là qu'un titre que parce que mon attaque un directeur va quand j'étais fadra. C'est pour montrer au côté que tout le monde est vraiment, ils mettaient soit un orgueil personnel à côté pour dire bon, comme son communauté, si mon fadra la caille moins, même si nous sommes directeur, forme que j'étais le tout. C'est vraiment un paquet et je mental pensé qui allait avec des caractères. C'est tout dans l'éducation. C'est tout dans l'éducation. Mais ça qui est intéressant, c'est que l'on regarde des pays comme Taïwan ou Rwanda qui c'est un cas récent, c'est il prend un pays 20-30 ans pour le sortir dans l'espace de vraiment une pauvreté extraordinaire au niveau de développement. C'est-à-dire, si vraiment nous avons commencé une vision pour nous dire, mais comment nous voulons Haïti dans 20 ans, mais comment nous voulons Haïti dans 30 ans, ça arrive que après effectivement, nous comptons. Il faut commencer. Il faut faire des choix. Parce que là, dans l'année 90-91, vous savez comment on a daté, il décide, fait des choix. Et puis qui veut que je dis là, et voilà. Assumer les choix. Et des choix qui pas obligé faire tout le monde content. Et c'est là. Qui est intéressant parce que là où on pays ou à gérer ou pas qu'à satisfaire tout le monde, ok, ou pas qu'à dire parce que un tel a fâché ou non, ou fait des choix à partir sous base d'une vision, ou pas qu'à retenir égale ou faire un choix comme ça, sous qui est-ce qu'on vision ou une vision pour accomplir A et même à faire choix à baisser. C'est pas soyez rationnel. Il faut que j'en dis à l'esprit en dans non vision. Non vision. Ça a changé dans la vie après l'étude en Taïwan? Oh, en pile. Moi, je pense que, bon, par contre, je vais regarder peut-être Marcus qui commence, peut-être comme je dis, c'est 10 ans de ça que moi j'ai quitté Haïti pour Taïwan. Et par contre, vision me changé, j'ai moins relation avec le monde. Parce que c'est une bagaille que m'apprend Taïwan côté c'est vraiment c'est jamais en relation en titre à en titre mais moun à moun, ok, et qui ça encore moi une plus responsable, ok, par exemple matin là où dit 8h 7h et 7h35 de devant
Vous comprenez? Même si je dédie pas la pluralité. Même si je dédie pas la pluralité. Même bon, on mange, mais c'est pour me dire que. Et, parce que là, bon, c'est des signes de respect que oui. Qui vient faire que ou même si je commence très jeune, mais dans l'administration publique, c'est à cause de discipline moi, qui fait que mon dégage espace qui est ouvert pour moi. Ok? Et on passe. Bon changement qui fait et c'est un changement extraordinaire. Ou peut-être encourager de l'autre jeune faire même expérience. Ah ben oui. Et bah, c'est programme Boussa toujours là. Programme Boussa toujours là. Et pendant un bon temps, c'est moi qui étais président de l'association des anciens Taïwan, côté que moi allé dans les écoles et me partage expérience. Moi, et très content, ouais, chaque année que quota Boussa a augmenté et que des jeunes qui ont oh et que l'expérience a été encouragée à aller Taïwan. Parce que pour un pile, même pour des parents, ok. Petit moi loin comme ça et c'est moi même tout il y a des amis au Taïwan sont pas du coup le loin comme ça mais pour montrer mon yo ou car loin mais de pour mettre discipline dans la vie ou que vous dites bon mais ça vous voulez réaliser moi même bon c'est avec chanter comme des dit tout bien commencé pour moi mon gars de Mike Bello par exemple c'est un jeune qui souhaite faire solo bag avec on lampe, chaque monde a fait affaire par eux et chaque monde a créé. Et c'est ça, Asia. Asia, pas de monde qui arrive en Asie loin comme ça pour dire l'abdomi. Ou est tout le monde rencontré, les grandes activités qu'il a fait, les grands projets qu'il a travaillé sur lui. Et c'est ça, vraiment encourageant, je vais participer. Parce que, effectivement, on dit loin, mais il y a un monde qui a pris peut-être la caille voisine, et puis qu'il a fait des autres. Il a fait des autres. Par a payé, a investi, et puis finalement, après 4-5 ans, il a pas de diplôme dans Guinée. Voilà, oui, ça arrive. Et parce qu'il n'y a pas de question de loin, vraiment. Il n'y a pas de question de loin. Il y a une question de. Mais dit. Personnel, est-ce que tu as une vision de l'arrivée de l'autre bois? Parce que pour moi, je suis enchanté et après je suis mon carrière dans la télévision en Taïwan, mais ça n'a pas empêché que l'heure pour travailler pour l'école là, je fais. Et il y a une satisfaction pour moi-même et pour les parents, tout c'est que malgré tout ça que je fais dans la télévision, je fini. Troisième lauréat, je m'a gradué dans la police en ce moment. Parfait. Et ça pour moi-même, c'était encouragé que oui, si vous avez une activité au café, faites, mais l'école là tout, c'est les priorités. Pourquoi ça tourne à Haïti? Moi, je tourne à Haïti et bon, basta là, définitivement. Parce que moi toujours vivre en Grande-Chine. Moi toujours vivre en Asie. Mais moi fais des va-et-vient. Ok? Et. Non, périple, bah, ça. Hein? Ah oui. Oui. Combien d'heures de vol? Ça va dépendre. Il faut me faire d'un coup, qui c'est un jour et demi de voyage. Mais de l'homme, moi, font stop aux États-Unis. Nous sentir mieux. Mais soit prendre heure de vol, il y a 16h à 20h de temps de vol. Ouais, sans compter escale. Ou choisis tout en Haïti quand même. Moi, je choisis tout en Haïti parce que tu as dit que moi, j'ai une compagnie qui est liée avec Haïti. Tout ça, moi, je voulais faire. Parce que moi, je ne voulais pas, par exemple, rester en Chine et m'évoluer en Chine et puis me quitter Haïti comme ça. Pour moi même, il n'y a pas fait de sens. C'est garder comment je peux aider la communauté à avancer, soit dans la relation commerciale, nous, qu'on a géré comment pour moi, comment pour améliorer. Et je vais parler vraiment en détail de l'autre aspect que moi-même, je vais travailler sur eux et que je vais travailler sur eux jusqu'à Kounia. Alors, vous êtes en grande chaleur, vous avez une famille, vous avez marié l'autre bois? Non, beaucoup. Mais bientôt, mes familles basées en Haïti et aux États-Unis. Non, l'autre bois, moi, pourquoi? Ok. Voilà, qui avantage le bois, le fou, qui fait que vous êtes attaché avec le bois? Je pense que pour un jeune et. Qui noir, moi le mettre aspect sur noir là parce que c'est les rives l'autre bois tout me connaît des noirs, ok. Côté mon a que moi-même que me parle chinois, ok, et que me parle de l'autre langue tout, qui vient faire que bon marché pour moi l'autre bois et les bon marché et son marché qui comme des gars qui vierge parce que qu'on y a en Asie me pas quoi gain on deux trois nous max c'est deux ou trois noirs qui a fait télévision qu'on y a qui vient faire que dans la télévision moi gain opportunité pour me vendre en Haïti et différent dans jeu chinois et compagnie me tout parce qu'on y a grand pile regard vers la Chine et pour moi même qu'on jeune qui connaît pas les chinois et gain pile opportunité et si mon café des va-et-vient mais toujours qu'un pays mais développer et toute activité parce que l'autre bagarre encore c'est que l'intéressant de jeune du waouh moi content ou on noir dans télévision en Chine parce que ou pas de représentation en vent. Alors vous faites télévision? Vous faites télévision tout. OK. Vous faites télévision. Émission. Moi joue des téléséries. OK.
Ensuite, moi j'ai des émissions côté moi parler de réalité. Par exemple, c'est une émission côté des étrangers qui opiner sur ce qui passe en Chine. Et c'est plusieurs plateformes que j'ai en même temps. Côté, voilà, ma vente, tout ça, mon carvan de positif. Alors, télévision privée, télévision l'État? Non, télévision privée, télévision l'État. Et c'est vraiment des grandes chaînes de télévision qui ont une audience extraordinaire que n'a pas travaillé avec eux. Vous parlez mandarin couramment? Oui, couramment. Je dis 8 ans. Ça. Et donc, première année, c'est de 8h à 4h. Et où bon bourse d'études, faut moi il faut gérer ou pas capable prendre chinois. Parler pour écrire bientôt. Oui, obligé. Et qui fait que bon voilà, avec compagnie maintenant qui moi gain 1 an depuis nous ouvert officiellement en Grande Chine. Côté voilà, nous gain mais de Taïwan à Grande Chine et de Taïwan transition pas difficile. Non, transition c'est qui ça, moi tourner à Haïti. Je travaille pendant 3 ans et puis ça fait 1 an et demi depuis moi tourné. Quand on fait maîtrise à Grande Chine maintenant? Grande Chine. Moi fais maîtrise en Grande Chine à Shanghai University. Et vous campez là ou pas mal plus loin? Et pour le moment, je campe là. On regarde ça qui m'a là. IMA et Business Group. Et c'est une compagnie, mais vraiment comme une plateforme qui pourrait changer genre relation commerciale ou bien échange et fait avec la Chine. Il y a 3 aspects dans l'IMA, je vais parler de eux. Premier, c'est l'aspect commercial, là, côté que nous avons aidé les gens, soit au niveau d'importation ou d'exportation. Importation, c'est aider, pas vous dire seulement haïtiens, mais c'est aider les étrangers à acheter en Chine. Nous connaissons que l'étranger acheter en Chine, c'est pas seulement Haïti, mais qu'un pile de monde qui achète en Chine. Mais c'est vraiment améliorer le service. Là, parce que un pile de monde prend un coup de bas dans. Soit monter sur des websites et commander un produit ou bien ou commander un produit là je vois ni produit c'est pas ça nous-mêmes nous voulons agir dans toute étape ça nous aider mon nan commander. OK, ça qu'arrive si mon nan est fourni seul déjà li dit nous al visiter compagnie pour li nal visiter fournisseur nous fait des tests sous produit que mon yo a commandé nous fait un check légal sous compagnie que mon a dit la veille parce que pour nous des compagnies bidon sous internet là ensuite nous rassurer de logistique là et partie exportation il est très difficile pour un produit étranger percer marché chinois et là où son casse-tête chinois sont casse-tête chinois. OK, nous aider des produits étrangers pour entrer en Chine tout. Ça c'est le premier aspect. Deuxième, c'est un accompagnement à investisseurs chinois qui veulent investir soit Haïti ou bien dans Caraïbes là. Et pour moi même pour ça aspect ça important parce que moi pas voulais seulement que relation en acheter vendre parce que il y a plus que nous qu'à faire avec. Et c'est là nous et changer dynamique là. Côté que tout le monde qui veut venir à Haïti, nous aider, nous préparer des informations pour eux sur Haïti. Nous préparer logistique là, qui est-ce que vous voulez rencontrer, nous faire en sorte que vous suivez qui fait après tout. C'est très important parce que des fois, nous tendons en pile mission commerciale faite, nous parti arriver là, mais est-ce que vous avez suivi? Nous rassurer nous de suivi. Et troisième aspect qui est très intéressant, qui va venir peut-être fin année ça ou début l'année prochaine, et IMA Business Group SIE. Ça fait 3 mois de ça avec une grande compagnie que Mboka a révélé dans le Gounia en Asie. Côté, nous avons un accompagnement à entrepreneurs ou bien des jeunes et haïtiens, parce que la représentation ça c'est pour Haïti la pied et une exclusivité pour lui. Côté, que nous allons encourager Mounsayo à apprendre de l'expertise chinoise. OK, et c'est des séances de formation, c'est par exemple un programme presque même à Shark Tank côté que ou cap un jeune OK qui bon projet et pour faire rencontrer avec un investisseur chinois que si lui-même il est intéressé pour l'investir là-dedans. Parfait. Ou bien on produit Haïti. Bon, on dit on produit étranger. Comment c'est planifier des stratégies pour faire produit étranger ça rentrer en Chine mais sous base de concours. OK, c'est un paquet d'activités qui vient venir à moi et m'espérer peut-être avoir toujours plateforme ça pour venir partager avec mon yo chaque fois que n'avance avec le premier aspect dans la question et faire produit chinois arriver dans notre pays ou dans l'autre pays produire pays en Chine ou c'est intermédiaire et exactement nous jouons un rôle intermédiaire et pour qui ça intermédiaire là important parce que des fois mon yo pense intermédiaire là pas important intermédiaire là important à cause que bon premièrement une barrière linguistique. OK, chinois il pas parle anglais. Il ne parle pas l'anglais. Il ne parle pas l'anglais parce qu'il veut apprendre le chinois à bouler. OK?
et c'est tout ça ça rentre tout dans prédominance là. OK, si là va prendre anglais là non, ou appeler l'anglais. Seul vouloir apprendre pas langue parle là. Nous-mêmes avec tout nous des experts chinois et nous-mêmes moi-même par exemple qui avec des groupes des monde qui nous offrent des services dans plus que 10 langues, OK? Nous rassurons que premièrement communication bien passée. OK? Que ça moun nan dit c'est exactement ça chinois attendait. Que li pa nan ou pas quitter au bout dans interprétation. Nous rassurons nous que tant qu'on dit moun nan, s'il bon produit li commander que li connaît que l'œil fin déposer comme ça c'est mon cop qu'il perdu et m'a dou Serginho comment me commencer dans immense c'est aider moun sauver l'argent que vous pral perdu. C'est comme ça moi-même moi commencer. Par exemple des moun que me pote comme mauvais compagnie qui dit Marcus même que telle compagnie là que me te font commande mais premier commande passé, deuxième commande passé, troisième commande moun ne pas répondre. Mes numéro cherchez pour moi. OK? Qui vient faire que nous allons réduire le prix ça que nous connaît que leur y a et interagir avec une compagnie qui existe. Et l'autre bagaille que nous voulons très ouvert c'est si au monde il voulait déplacer à la Chine. Ça arrivait que nous déplacer à la Chine, nous pas un support, nous pas un monde qui encadre l'autre bois. N'a des cadres cap aider si au besoin des guides touristiques, si au besoin un interprète, si on monde a besoin des documents parce que l'autre aspect encore c'est que des fois les des négociations qu'a fait au niveau de traduction des documents tant qu'on dit langage là qu'on pas passé. Nous même n'a pas rassuré nous que tout aspect ça yo vraiment est touché et que relation hein, et lika améliorer et que pour gagner meilleur et qualité résultat. Produit tout parce que en Chine les questions volume non mais produit en pile et parfois et qualité à quoi laisser à désirer. Est-ce que dans le niveau Image Group nous travaillons tout pour nous garder qualité ça cap bayo qualité ça nous a pas acheté à vraiment ça vaut la peine. Oui mais ça moins dit leur parler de qualité parce que au départ tout le monde pensait que la Chine c'est produit bon marché mauvaise qualité mais chinois qu'on y a livré. Étant donné que l'équipe là déjà, qu'on a la travail sur qualité. Et un aspect que moi-même moi toujours demande des clients, c'est qui type de qualité vous voulez. Parce que il y a des gens qui cherchent produits bon marché, qui cherchent produits qui peuvent durer. Mais un client en Europe, par exemple, ils veulent un produit qualité. Ok? Ça dépend vraiment du marché. Nous rassurer nous que qualité que mon en voulez et que les joignent. Parce que nous faisons des tests. Sous produit mon a voulu acheter un caoutchouc par exemple dans rouler caoutchouc nous fait des tests sous chaque produit on voulait avec qualité qu'on voulait parce que bon monde qui effectivement t'a voulu que l'acheter un produit bon marché mais peut-être en qualité qui est plus ou moins passable mais bon monde qui pas de problème par exemple l'opre et secteur et pharmaceutique là OK on monde qui acheter des produits il pas dans bon marché avant livre un produit que le client li prend en pilule que li pas malade que le pas grand ken effet secondaire qui vient faire que ça dépend du secteur là et ça dépend du client mais ça qui place produit chinois au gagner et par exemple dans la région Caraïbes là oh dans la région Caraïbes là avec un pile pays numéro 1 au niveau de Caraïbes de partenaires oui on prend la Jamaïque on prend et Bahamas on prend même République Dominicaine oui même pour Haïti malgré nous pas une relation diplomatique formelle avec la Chine numéro 2 dans ça non trading ah bon oui dans pile présence produit chinois ah ben oui. Oui, il n'est pas obligé. Bon, nous carrément les produits chinois, mais c'est des produits provenant de la Chine. Parce que les Chinois, tu pas oublier que les produits pour d'autres compagnies. C'est évident. Ouais, c'est évident. C'est évident. Maintenant, est-ce que vous remplissez le client ici là? Oui, et nous remplissons et nous voulons plus toujours. Et c'est pour peut-être ça que tant qu'on dit moins là. Et ce n'est pas la première fois Haïtien a fait business avec la Chine, mais ça qui vient de passer dans la relation, son relation que gère, me dit en bas. Que Serginho bon grand monde, c'est moun pal. Ok? Mais si Jean-Robert, par exemple, t'a remé bon contact en Chine, il n'y a pas de. Ok? Nous voulons ouvrir la porte là pour moun sa yo, pour qu'on ait que bon structure en Chine.
c'est un haïtien qui capture avec d'autres experts internationaux et que si vous avez besoin, vous pouvez contacter nous. Et vous, les investisseurs, est-ce que je veux dire, il y a des démarches pour vous commencer à faire pour l'ouvrir, par exemple, espace haïtien, montrer l'opportunité que la veut dire pour que des Chinois arrivent à faire business bien sûr, dans le pays. Bien sûr, bien sûr. Et ça qui vient passer sur vos investissements, des fois, on ne peut pas arriver en pile parce que c'est des gens qui viennent et ils ne peuvent pas les compétiteurs connaître qu'ils viennent en Haïti. Même fier pour me dire que l'année dernière, et année fiscale 2016-2017, il y a au moins 6 groupes et d'investisseurs asiatiques qui viennent visiter Haïti dans perspective de et pour implanter projet d'investissement et il y a 3 qui atterrissent. Qui commence déjà? Qui faut gérer? Pourquoi pas comme qu'à dévoiler, mais il y a quel secteur par exemple? Secteur textile et majoritairement et on l'autre dans l'infrastructure. Il va intéresser dans les affaires énergie. Bon, affaires énergie, on connaît, ils ont fait super politique, ok? Et je suis qui a intéressé, mais c'est nous-mêmes qui pouvons, Serginho, partie ça important, c'est nous-mêmes qui pouvons, qui ça nous besoin dans les Chinois. Non, comme vous gagnez un goût, parce que vous avez des contacts pour ça que vous avez. Non, mais oui, bien sûr. Et c'est là que nous pourrons changer toute dynamique là pour nous voir comment nous pouvons, premièrement, diversifier. Et intérêt pour pas seulement textile parce que nous connaissons que oui Haïti au niveau textile nous c'est en position stratégique premièrement par rapport à loi Hope Help et par rapport à position géographique géopolitique par rapport aux États-Unis que moun sa yo vini pour percer marché américain mais nous voulons tout encourager d'autres industries c'est pour ça m'chita avec des acteurs et locaux pour que comment très important nous ka monter des projets que moi même si moi gen un chinois m'a parlé avec comment pour me présenter parce que des fois ou dit oui vous voulez moun nan vini dans secteur énergie mais qui projet ou bon projet non. Ok, c'est encourager Mounsayo pour peut-être vendre d'autres projets sous d'autres secteurs pour Haïti et tant pour nous intérêt à là. Ok, c'est avec appui PAM, moi je suis que ma PC pour porter plus toujours, mais c'est peut-être ça moi fait dialogue là, moi rentrer assez souvent, chita avec acteurs pour voir que comment nous ca et pousser et bon là. Comme on a business, on a peut-être confiné et filmé ça nous l'a dit là. Ici, mon ouais, secteur pour venir là, une fois, contrairement à l'autre pour venir dans la chair. Ouais, comme si nous puissions trouver un monopole, un contrôle. Bah, est-ce que dans le niveau IMA, ça pas obstacle pour nous, l'envelé de l'autre investisseur qui vient dans la chair, qui profite de l'autre bagaille, qui t'a qu'à continuer à déranger, monsieur dame qui là. Et mais faire effort. Bon effort pour faire. Bon effort pour faire. Et moi, t'ai dit dans le début de l'émission. Hein, parce que pas oublier, ce n'est pas intérêt propre seulement comme un businessman. Ok? Faut intérêt à Haïti. Ok? Ou bon investisseur chinois qui t'a venu, ça m'a fait de très important, dépendant du secteur, moi toujours battre pour me chita avec les acteurs locaux. Ok? Pour dire, mais bon groupe, mais intention, garder est-ce que bon champ de partenariat si possible. Ou bien, si n'est pas possible, c'est garder comment le secteur et moun sa li pral opérer dans le secteur, mais qu'il ne peut pas déranger. Et même s'il tape déranger, Serginho, pourquoi pas les déranger au personnel? Même si déranger, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Tout le monde tout profit de qu'on fait. Mais moun, c'est un peu de concurrence. Nous, et li dans tout secteur. Et c'est ça qui a crasé le développement économique pays. Tout autant, nous pas qu'à ouvrir, mais ouvrir avec contrôle. Parce que ça est important, parce que l'on dit que pour le venir pour l'investir, et partie ça m'a rassuré, moi bon code d'investissement, moi bon et loi sur le travail, faut bailler mon nom des balises. Ok? Quand il y a ou balle toute balise, ou dit bon, mais le lab vini, mais qui ça pour le respecter? Parce que l'opcade en Chine, et non, un secteur qui n'est pas de 10, 100, 1000 compagnies qui veulent, il est bon pour marcher. Gardez Jean le consommateur à tout. Les bons consommateurs tout. Gardez les Digicel rentrer. Jean Digicel changer dynamique et télécommunication en Haïti. Imagine aussi Digicel pas entrer. Nous obligés garder. Même si en pile plein, oui, nous pas entrer là. Mais c'est pour il y a autre marché à net. Il y a autre marché à net. Qui vient faire que par exemple, faut c'est au même qui pourrait comment ou cas ouvrir marché là. Parce que je pense que son mentalité type pays permet moi dire ça pour penser que obligé de contrôler tout le bagage.
parce que pas gain moyen sous les développer un pays, parce que c'est mon boutique ou gain son pays ou diriger. Mais pas une mentalité boutique là, et il dérangeant l'op garder des stratégies de commerce international, il pas qu'à fait j'en a fait là, parce que là nous avons une stratégie de vraiment de gouvernance dans boutique. Côté mon nan livre là vend 1 gallon d'huile, c'est lui seulement pour vendre 1 gallon d'huile là, il passe pas payer. Et bien ça même aller même dans détail parce que des quartiers si il y a plusieurs monde qui vont dire et puis ça dérange, il dérange mourir un gamin, voilà, ça veut dire c'est des mentales, c'est ça que comme d'où bon paquet travail et mental qui vous faites pour mon ouais que bon voilà, si ou même ou vient là m'a vendre et pantalon ça ou qu'a vendre pantalon pour là pour ça nous pas entendre nous, et c'est là c'est ça asiatique la fait des fois. Ou pas pour que par exemple, non, si on des business à côté, yo al visiter l'autre, yo apprendre de stratégie l'autre là, et le on asiatique vini et en Haïti. Si on a par exemple, clé dans secteur et textile par exemple, nous avons un investisseur qui était pionnier dans textile là, tout le monde m'a demandé pour y aller, monsieur. Il est Daniel Wu. C'est le secret. Oui, mais c'est pour nous paguer, c'est pas pour dire son compétiteur qui a vu. Oui, son compétiteur, mais son monde qui a vu créer une harmonie. Apprendre de l'expérience. Apprendre de l'expérience, monsieur. Ça que tu as besoin d'une après pour le déranger, pour le finir. Il n'y a pas de déranger. Il n'y a pas de déranger. Parce que ça vient parce que chaque monde a un target. Par exemple, ou même moi, je vends un pantalon ça, ou voulez dire que vous vendez un pantalon ça pour à tel prix, pour la masse, moun sa vend un pantalon ça plus cher pour notre classe. Chaque monde a fait un pantalon par eux. Non, mesure pas pour client pas. Mais il y a qui sont votre plus gros obstacle à attirer l'investissement en Haïti, à faire des gens qui font business dans le pays. Parce que c'est clair, si nous besoin de développer, il faut créer une richesse et créer une richesse seule passer quand même par l'investissement direct étranger dans le pays, par exemple. Moi, je pense que le plus gros obstacle, c'est peut-être dans l'odeur. Et moi, j'ai regardé dans l'article que Forbes qui était sorti, c'est l'odeur de procédures administratives. Bureaucratie. Bureaucratie. Ils sont problèmes, c'est Gino. Ils sont problèmes graves. Parce que, moi, j'étais tout en début, moi, fait 3 ans et comme directeur de facilitation de la CFI, côté accompagné, qui investit sur le local ou étranger. Mm-hmm. Regardez, au niveau, nous pensons, okay, avec avantage incitatif, que nous t'a attiré plus étranger. D'ailleurs, sous ça qu'on a offert, on t'a supposé qu'il y a plus investissement direct étranger déjà. Mm-hmm. Sous ça, Haïti a offert en tant qu'avantage. Okay? L'homme, on vinil, qui a pas de 15 ans maximum de exonération fiscale et douanière. Et gagne l'autre encore. Mais, qui ça vient de passer? Ou vini, vous voyez que mon gon misère, permettez-moi de dire comme ça, gon misère que ou est mon a subi. Que moi-même des fois il dérange. Voilà mon exemple clé. Moi j'ai un groupe que m'a dit qui est ce qui m'ont nié. Côté que moi il y a au moins 2 mois. Même dit 2 mois. 2 mois pour te joindre un papier dans le ministère. Côté que 2 mois. Depuis m'entrer en Haïti là en décembre jusqu'à présent nous là toujours. Ça passe bien. Papier pas disponible. Papier t'a supposé là qu'on on pas regarder dans règle mon douce al côté Sergino, l'autre côté rivé Sergino du al côté Jean-Pierre, l'autre rivé Jean-Pierre dit oh parce que on pense c'était Sergino oui qui vient faire que pas peut-être en ken. Là ça passe ça on nous dira qu'est-ce qu'il a fait ou bien. Et bien pas gain pas job là. Pas au cas pas job là mais tout pas gain on marche à suivre clair de procédure là. Non mais job CFI tout, CFI t'a quand même bon dans ce sens. Nous que nous baille nous on livrer que nous sorti un livret de facilitation que moi même l'homme de directeur de facilitation que nous sorti. Mais sorti mais vous le ça toujours bon. Non mais nous chita avec acteur au Sergio. Mais faut acteur par exemple mettez tête ensemble tout pour voir que comment et nous plusieurs documents sorti mais parce ça premier bagage que nous fait dans ce sens ça c'est on dit que ou gon document on doit arriver dans le ministère tourisme par exemple gon document c'est lui pour préparer un rapport alchita monyo pour connaître qui est ta rapport. Est-ce que gon marche à ce qui sur rapport ça qui document on besoin pas gain ou porter abc après mon dou faut porter bcdz c'est tout un travail et moi même ça dérange moi
sous grosseur compagnie ça. La compagnie ça son maman compagnie et l'homme garde moi misère que m'a passé compagnie ça pour l'entrer en Haïti, li des fois bon la peine. Et c'est ce textile toujours. Et textile. Alors là, vous voyez là, si on parle de question de bureaucratie, ça, la difficulté pour améliorer le climat, des affaires là. Oui, qui ça vient de passer? Et li, le plus souvent, nous, c'est comme si nous avons un mur qui crase, nous prend des blocs, soit nous passons peinture sous lit, faut que son problème qui gère à la base. Côté, nous garder échelle là, au monde, la fond société, c'est vraiment un casse-tête chinois. Ok, en Chine, oui, société prend pile temps pour faire en Chine. Société prend 3 mois pour faire en Chine. Parce que yo pas vle que n'importe moun vini à n'importe qui l'argent ou du voile pour société. Avait dit c'est pas tant de problème là. Parce que Haïti li prend des fois on dit jusqu'à 6 mois pour société. Mais moi même tant comme dit l'emte OCFI, nous gagne des best case scenario, gagne société nous fait dans 2 semaines ou 1 mois. Mais faut ou bail mon information préalablement ou dit mais ça pour le préparer c'est pas les vins devant pour dire l'idée de l'autre dossier le besoin qui vient faire un paquet d'éléments. Bon, ensuite on a infrastructure là tout qui est très important parce que là mon avis li en Chine li gen tout à fait qu'on est allé venir en Haïti bon, pas gen courant, pas gen l'eau, pas gen route pour aller dans compagnie, ça son problème. Ensuite, nous avons dit 4e élément, c'est, et on ne peut pas penser ça, Haïtien plein pas de job, gain job. Niveau, faut nous augmenter le niveau. Ça veut dire que ça? Ça veut dire que ça? Le plus souvent, les gens qui ont des compagnies qui sont arrivées, ils ont cherché des cadres. Et bien, des fois, il est très facile pour joindre des techniciens travail pour eux. Mais pour joindre un cadre en Haïti, Serginho, des fois, il est compliqué pour compagnie ça. Ça n'a pas dit qu'il n'y a pas de tout, pas dans le pays à tout. Qui pas dans le pays à peut-être. Et là, moi, quand je dis, moi, au moins, j'ai 3 compagnies là que m'a aidé chercher des mouns que, bon, des fois, me poster sur Twitter, des fois, m'essayer et garder comment me divulguer l'information. Mais c'est pour me dire que j'ai un job. Mais pas de qualification. Des fois, pas de qualification. C'est ça, parce qu'il y a plus de gens qui souhaitent un job, mais pas préparé pour qui pas préparé pour le job là. Oui, il y a un travail. Au niveau, voilà, c'est des fois, on a chassé 5 ans d'expérience avec des descriptions de poste. C'est là-bas où on dit waouh. Je ne prends pas le temps pour me joindre à pour. Vous comprenez? Mais des fois, on a un cas là tout, mais il y a un pays étranger. Plaisir, il va installer en Haïti. Il m'a ouvert bureau en Haïti et c'est la raison pour laquelle que nous là, dans le pays et c'est aussi pour bon voilà, le monde a besoin et contacter nous, que pas qu'on est que nous juste en Chine, mais que peut-être y'a rejoindre nous ici tout. Pendant un an, qui sont quoi pour faire, qui change la réalité, en Haïti. Moi pense que le résultat est très positif. Et tant que je ne suis pas attendre moi ça et je connais qu'il y a plus qu'à venir toujours. Et gan pile responsabilité pour IMA au niveau tant comme du commerce, même au niveau de par exemple accompagnement qu'a fait avec investisseurs chinois pour filtrer genre de relation et mission commerciale, ça fait que plus que tomber qui fait pour pays hein. Et tant comme du gon aspect pour encourager plus jeunes apprendre de l'expertise chinoise, une grande pile responsabilité. Et un an ça me dit au monde kawe son jeune compagnie, mais en pile bagay fait en pile monde. Et vous dites mes amis, c'est comme si son bon Dieu nous tap chacho au côté tant de ça qui vient faire que et ça fait me satisfait le que par exemple ou prend un projet de zéro avec vraiment une idée pour que l'atterri, et c'est une satisfaction. Et kounya et ça me dit le début pas vraiment de chita parler ça qui fait avec public là hein, et pour le connaître service là c'est au monde qui référait là il m'a bal service. Mais qu'on a nous voulait ouvrir porte nous pour au monde qui veut aller en Chine, pour au monde qui veut acheter avec la Chine, pour sous gain on idée pour si un groupe chinois t'as entré en Haïti ou t'as aimé que nous contactons, que nous même ou t'as aimé travailler avec nous, nous assez ouvert. Vous parlez tout pour encadrer les jeunes qui veulent faire business. Oui. Et là, c'est vraiment garder, parce que je t'aime l'État ici impliqué là-dedans. Et c'est ça que je ne veux pas courir et parler de ça. Mais je vais garder combien d'acteurs qui t'a monté à bord avec sur un projet vraiment assez très intéressant. Et son groupe tête chargé au niveau de Taïli en Chine. Qui
qui voulait, parce que Kounia chinois voulait quitter stade et n'a dit en puissance économique, mais voulait Kounia vienne des leaders. OK, côté il y a encouragé soit dans des formations, soit dans des, vous voulez vraiment positionner comme un leader mondial. Et dans cadre leadership ça, vous voulez tout bon, yo bon regard tout dans Caraïbes là pour aider Caraïbes à avancer. Moi même tant que moi très content et jouer rôle ça pour Haïti, essayer porter plus toujours et fait que voilà, un jeune li ka aller prendre des formations, c'est pas pour dire des formations que faut au monde pas, non, c'est on plateforme n'a ouvert à tout le monde, si bon faut monde qualifier bien sûr, ça très important, et aussi offrir plus opportunités de bourse d'études, pas seulement par gouvernement et chinois, que mon nom apprendre langue, ça très important, parce que le monde y rentre, si on haïtien, bon, on haïtien sont en Chine, rentre à Haïti, li joint travail, s'agit nous dans 2 semaines. Ah bon? Oui. Et puis l'opportunité? Et puis l'opportunité. Il y a plus de monde qui a cherché. Ou gen des groupes là dans Codevi, ou gen des groupes dans Caracol, ou gen des groupes qui ont entré sous Port-au-Prince. Ils ont besoin. Si c'est ça qui fait si n'ap ka encourager plus jeunes à l'apprendre de à l'apprendre langue mandarin, hein? Et après voilà faire yo, voilà des va-et-vient pour apprendre l'expertise chinois, et moi même partie ça très important pour moi si m'ap ka servi rôle ça avec quoi bureau habi en Haïti puis dans Pétionville, et comme étant nous n'a finalisé des structures légales avec l'endroit beaucoup qui arrivent les adresses là, mais mon yoka et consulter nous après ma baye website nous met tout baye et nous avons un site internet qui c'est www.imarbg.com imarbg.com ou bien vous pouvez écrire nous sur info@imarbg.com ou bien relayer sur 38 65 62 76. 38 65 62 76. Bon, vérifier, bon, comme pour un faux numéro. Il faut l'avantage. Déjà, nous avons commencé avec un B, 3W.imarbg.com. Donc, il y a ça, et puis téléphone 38 65 62 76. I was right. 38 65 62 76. Vous avez écrit nous, et là, moi, bon, moi, mon 2 semaines que je fais en Haïti encore. Et le temps que positionner quelques activités, mais tant qu'on dit si on monde ouais comment l'Itaka veut collaborer avec nous, et nous très ouverts, et plusieurs volets, plusieurs aspects, et 38 65 62 76 vous pouvez rejoindre nous pour prendre rendez-vous et parler avec Ima. Bon, après 2 semaines ou la retourner à Haïti? Non, ça dépend parce que gagner des groupes si mon travail c'est quand moins obligé rentrer, mais essayer faire coordination, ça dépend. On va pour compte ou on dit non? Oh oui, ça bien quand on dit ça, et c'est des fois les m'a parlé, me dit nous pas pour comme, non pas pour comme du tout, moi j'ai un staff et vraiment extraordinaire en Chine. OK, nous plus des chinois, des haïtiens. Nous gain des chinois, nous gain haïtiens, nous gain, parce que ça me fait nous gain plusieurs monde dans plusieurs continents ou des pays qui cherchent des clients stratégiques pour nous, soit que les clients en Europe, clients au Brésil, clients dans Caraïbes là. Votre plus qui veut dire. Ouh. On pile client en République dominicaine bizarrement, hein. Mm-hmm. En République dominicaine, bon Haïti et me dit fenêtre là commence à augmenter, mais Brésil a des clients tout, mais n'a pas essayé vraiment et augmenter pas limiter là avec une région, mais c'est vraiment augmenter cadre là pour tout le monde qui besoin de services qu'à contacter nous, parce que nous dit nous offrir des services en plus que 10 langues. Fait qu'on monde ka assez à l'aise pour contacter nous. Et en plus longue équipe ka vedo avancé. Oui, ensuite bon équipe en Haïti tout, on parler d'équipe en Chine, même bon équipe en Haïti tout que moi remercier yo compte qui est soyé, et parce que l'homme tourner en grande Chine, c'est yo qui a assuré tout suivi qui pour faire pour Iman en Haïti. Et Marcus Bro, mon chef de content, parle avec moi. Merci en pile. Présenter pays à où. Merci en pile. De jeunes peut-être qui croient que
ou pas au café, ou bien qui peut-être quitter mauvais la vie, faire ou perdre tête, ou bien faire des choix. Tu vas plus s'il y a rien demain, mais il y a des choix à faire et puis ça conduit côté le conduit là. Définitivement. Donc, créativité ou après son café pour bataille. Bataille. Et là, c'est bon mot, bataille. Oui, mais c'est clair. Si tu vas bataille ou pas dans bataille. Pas dans bataille, c'est ça. C'est mon cap bataille qui capte. Qui calme, voilà. C'est pas quitter obstacle et limiter où. À tous les obstacles. Comme forme de tout, songer que c'est celle-là est limite. C'est limite. Et surtout, c'est jeune, ouais, parce que avantage ou gain le jeune ou gon énergie qui pas même gens avec le monde qui pas jeune non, parce que moi-même leve à 5h-6h du matin et mal dormi jusqu'à n'importe 11h minuit sont gon énergie ou gon gens qu'on travaille différemment et des fois ou beaucoup de responsabilité c'est kounia pour faire. Définitivement. C'est pour et puis la réalité est là, tout au fond, équipe possibilité. Au lieu de nous prendre Facebook, là, WhatsApp pour faire ça, pour parler pas besoin. Voilà. Pour prendre et parler à faire monde. Parce que tu es capable d'utiliser la joindre d'opportunités. Si vous avez des idées, partagez avec des plateformes. Et qu'on y a en Haïti la chargé des groupes qui veulent encourager les jeunes. Et nous-mêmes, au futur, nous avons pour nous parler avec les jeunes davantage pour nous comment nous ka aider. Yo. Si vous avez un projet, comment nous ka aider. Yo. Parce que moi-même, ça très important pour moi, c'est l'éducation. Parce que je pense que si je arrive là, qu'on y a Serginho, c'est vraiment parce que je dépend de l'école. Là au sérieux pas gagne l'autre pas gagne route pas bois c'est encourager un jeune cap gardé pour kembe l'école li et kembe étudier au sérieux et après pas gagne route pas gagne porte que le pape ka ouvert définitivement c'est ça Marcus Béron chez KBFM succès et puis on vient arriver merci un peu voilà. Merci Marcus Agido notre invité ce matin Marcus Béron de Ima Group pour te garder expérience en Chine et puis garder comment Ima a pu installer là progressivement en Haïti. Merci tout le monde, surtout avec nous dans la matinée. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée. À très bientôt.